tu regardes Cyril Hanouna? Fais-moi un joli sourire. Ah, c'est magnifique, ça va partir tout droit dans les maths du bit 4. Continue. Oh non! Mais au lieu de ce qui, ski. Ski. Ski marin. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ok. Et pas besoin de mettre de nœud. Genre, non mais attends, je comprends pas ce qui m'arrive. Tu vois? Et sans le bruit d'éjaculation à la fin de... 3, 2, 1, action! Ok, on va réessayer encore une fois. C'est un super orgasme que j'ai. Mais ouais, voilà, c'était... Salut. Bravo, le plan. Il faut fermer la porte juste après parce que... C'est pas grave, c'est pas grave. C'était bien. C'était parfait, ouais. Ok, allez, on la refait. 1, 2, 3... Non, c'est... Le pouvoir de la force. Oh, heureusement que c'était pas une noire. Parce que l'autre derrière. Action. Hello. It's me. Maman, faut que tu m'aides, je comprends pas. Ah oui, c'est gaga. Maman, faut que tu m'aides, je ne comprends pas ce que je dis. A vous, c'est à manquer aussi. De quoi? De tourner? Ouais. Non, c'est surtout toi, Sandro, qui m'a manqué. Oh. Bon, pendant que je pleure. Et. Action! Oui, ça va être drôle. Ça va être drôle, en effet. On va pas y arriver. Alors, je l'ai passé. Et action! Je crois que c'est contagieux. Mais non, mais je sais que c'est fantastique, mais. C'est... Non, ta gueule, c'est pas fantastique! Non, mais... Je suis en train de me faire gratter la barbe comme une biquette par Angélique. Mais c'est cool. Il se fait tâter dans le sens du poil. C'est slow. Vous êtes prêts, les gars? Connard. Fais gaffe, moi je suis comme les chiens. T'adores les câlins? T'adores les câlins, tu la queue. Il fait déjà le beau, regarde. Action! Attends, on va y arriver. Si Angélique ne tombe pas sur un même endroit, on va y arriver. Là, c'est pas compliqué sur tout ton tournage. Je finis du bêtisier pour ma scène de A à Z. Là. Ouais, je pense. Bon train. J'y vais pour faire 3-4 conteneurs par jour. Voilà. Le premier. Le haut, de, le haut du panier de la philosophie. Tu vas faire. Mais vous étiez pas censé être ensemble? Mais t'es pas censé être avec lui là? Oh! Bon, ça faisait très nazi. Ça faisait très ange de la télé-réalité, mais j'ai bien aimé le petit. Non, mais attends là, t'es avec moi et en fait t'es avec lui. Non, mais je comprends pas là, vas-y, c'est bon. Gal, voilà ce que tu m'avais noté. Le rôle de dispo, ce serait un type qui bug sur un mouvement de masturbation et qui se suicide. Bah ouais, tu vois, j'ai été honnête. Chérie, t'aurais pas vu mon DVD de Machuca? Ok. Est-ce que tu pourrais le faire en restant avec un bras sur le mur? Ça tirait bien. Ouais, comme ça. Non mais...
Ah moi. Désolée. Désolée. Toi. Alors là j'ai un truc à dire. C'est comme ça que je baille, j'y peux rien. Mais j'adore. Action. Emmenez-le. Non, 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 mais attendez, mais je vous jure, il suffit que vous alliez sur internet. Non mais, mon premier film est un meilleur remède contre l'insomnie que l'héroïne. Y'a pas de meilleur remède depuis l'héroïne, je vous jure, putain de merde. Mais non, mais bordel. Je veux juste qu'on entende des coups. Ah, qu'on entende des coups. C'est non, bon, je peux coups. Ah, des coups, parce que sinon je peux taper sur la porte, hein. Oh putain. Est-ce que mais c'est le pire, c'est que c'est tellement vrai ce qu'il dit. Je fais plus d'effet qu'un lama. Bah heureusement. Tu craches mais mieux. Mais les lamas, c'est super beau. C'est une classe ouais. Interstellaire. Il crache mieux qu'un lama. C'est dégueulasse. Non bon, alors, Attends, tu l'as fait exprès. J'ai ça la prochaine fois que tu trahis ton gang. Oui, voilà. Je le referai plus, non, c'est promis. J'en veux du gang, c'est pas le gang, c'est ta bande. Jason, la prochaine fois que tu trahis ta bande, je te jure que ça va chauffer. J'ai un de fumée. Je me suis plus piqué. Allez, tu fais un petit bon au début de la réplique. Tu sais, bon, Jason, la prochaine fois que tu trahis ta bande, ça va chauffer. Comme ça, vraiment, tu peux avoir une craque de cette fois. Semaines. Jason, la prochaine fois que tu trahis ta bande, ça va chauffer. Non, je Isabelle. Pas, Isabelle. Trop loin, je sais. Ah oui, mais elle était bien. C'est les pseudo-chuchotements, genre. Et vous avez entendu, elle a baisé avec le petit gars. Non, c'est. Tu parles pas, mais il faut que ça s'entende à la caméra. Ok. Ça va, limite, refais-moi le coup du. Enfin, soulève ton. J'ai dit soulève, pas baisse, donc tout va bien. Voilà. C'est moi ensuite qui dis des trucs dégueulasses à la caméra. Carrément. Action. Et bah, en fait, on vient pour buter Jason. C'est excellent, excellent. Alors. Ah, au moins, ça a eu l'effet escompté. Peut-être que d'une certaine façon, ça, c'est la prélogie de ce qu'on avait tourné la dernière fois avec la gestion. Ouais. Parce qu'on est en couple au final dans l'autre. Ouais. Enfin, le trip de je mate la même fille tous les jours sans jamais l'aborder. Ok. Alors, on va la refaire tous les quatre. Ouais. Hésite pas à mettre du son à la voix. Plus fort, ouais, ça. Si on avait un matériel sonore, ouais, on serait pas obligé de faire. Je modèle mon volume pour que ça aille jusqu'à lui. C'est vrai que je pense pas à la caméra. Que ouais. C'est un podcast. Ah, putain de merde. Il y a tellement de voitures que même Arthur commence à jouer en espagnol. Je vois pas ce que ça veut dire. Oh, je vais les tuer. C'est pas un film. C'est juste la vie sexuelle de mon petit frère. Comme là, il y a le bruit du. Je vais mettre une barrière, tu sais. Ça a klaxonné, ça. Non, il y a la peste là-bas, venez pas par là. Ah, là, c'est une blague. Non, mais j'appelle dans le métier, c'est ce qu'on appelle. Pile au moment où il n'y a plus de voiture, qu'on va avoir un silence de mort. C'est au moment où on n'a plus rien à dire. Ah, c'est ça. Le mec a jamais entendu le mec de sa vie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oh, ouais, oh. Ouais, ça va. Pas à Paris, là. Bah, je dois avoir une shit client, alors. Bah justement, t'es un grand avocat avec plein de clients, plein de succès, ça vaut le coup. Là, elle va te tomber dans les bras. Non, non, non. Une histoire qui commence par des mensonges, ça finit avec des mensonges. Oh, alors, commence avec une blague alors. T'as c'est un noir qui... Désolé. Non, là, elle va te tomber dans les bras, c'est clair. Non, une histoire qui commence par des mensonges, ça finit avec des mensonges. Alors, commence avec une blague dans ce cas. Genre... Non, mauvaise idée. Pourquoi? Je m'appelle pas laissé le temps de dire la blague. Oui, mais la blague, c'est une mauvaise idée déjà. Ah oui, mais j'ai plus de texte, moi, après, merde. Je suis désolé. Tu fais pas quoi alors? Ah, ça te coupe ça, hein? Je suis désolé. Non, mais le pire, c'est que non, mauvaise idée était super bien fait. Attends, au moins, je commence à parler du noir. Je suis désolé, j'étais un petit peu trop excité là, sûrement. Non, non, non. Alors en fait, c'est l'histoire, hein. Non, ta gueule. Oh, ouais, eh mec, j'en ai eu. Pourquoi est-ce qu'il y a jamais de Mexicain aux 100 mètres aux Jeux Olympiques? Je sais pas, vas-y. Parce que tous ceux qui savaient déjà courir se sont déjà barrés du pays. Il fait rire. J'adore, la blague est trop nulle, les filles. Parce que tous ceux qui savaient déjà courir se sont déjà barrés du pays. Non.
Bah parce que ceux qui savaient déjà courir se sont déjà barrés du pays. Franchement, en même temps, quand j'arrive à courir, ils ont déjà quitté le pays. Non, j'arrive pas, je te jure, c'est que... merveilleux, c'est le petit. J'adore les petits. Les gens de ce quartier m'ont vu passer en Père Noël avec un peignoir, ils m'ont vu faire plein de trucs. C'était toi ? Sandro Esteban Salimas, on vous appelle. Par contre, il y a pas pour faire. Ramasse-toi, Arthur. Ah, qu'est-ce qu'il a fait ? Sandro, c'est un signe. Angélique, bouge ton boule. Tac, tac. Voilà. Je te mets au point. Oh, magnifique. C'est moi ? T'es cotate ? Non, mais pas toi. Ah. Oh. Alors, il faut bien qu'on voit sa tête. Bah oui. Ah bah oui, là, je la vois bien. Vas-y, viens là. Montre-moi ta belle face. Bonjour. Salut. C'est moi. Regarde-moi sa tête. Je suis ravi d'exister. Voilà, nickel. Bouge pas. Ne vous abonnez pas. Sinon, il va encore vous pondre des trucs avec plein de morts et tout. Je lui parle toujours pas, moi, c'est ça. Hein. Non, non. Là, il tape la discute tout seul. Ah ouais, ouais. Il tape la discute à un mur, quoi. L'histoire de ma vie. Bonjour. Ok. Est-ce que tu peux. On fait Pac-Man. Pac-Pac-Pac-Pac. C'est pas fait pour les grands visiteurs. L'autre il mord de rire derrière. C'est pas grave. Bon. C'est toi qui as fait te casser la gueule, c'est drôle. Je vous emmerde, ceci n'est pas du tout représentatif de. Allez, j'aime le caca. Je vais en prendre un vrai, mais je me suis dit non, Sandro, non. Bonjour, j'ai un souci. Je suis scatophile, nymphomane et tonto d'Adolphe. Alors. Non, moi, je sais faire un tour de magie, regarde. Qu'est-ce que c'est ? Regarde. Oh, c'est... Oh, oh. Oh, non, attends. L'antenne est manche. J'ai un truc. Bon, il est utilisé, mais bon. Non, mais de la mort, Sandro... T'as mis zoom sur mon grand cul, quoi. Tu filmes, hein? Oui. Eh oui, je filme. On parlait de mouchoir tout à l'heure. Hein. Mm-hmm. Le rire gentil, le rire impoli, tu sais. Puis on a fini après. Je suis en train de me gratter la face, mais après ça. Bon, allez, s'il te plaît, parce que moi j'ai envie de manger et tout. Ok, on essaie de la refaire. Enfin, t'es en train de demander ce qui t'arrive, genre. Attends, est-ce qui vient de se passer là? Je suis beau gosse pourtant. Ouais, voilà. Ouais. Ça va, non, t'es... Oui, c'est. C'est ça, et je me demandais si vous. Ok. Encore une fois. C'était très bien. C'est... Ah, oh merde, tu fais ça toi. Ouais, j'ai vu, tu travailles à la prison. Alors, vous, plutôt. Vu, tu travailles à la prison, c'est ça? Wesh ma gueule. Wesh ma gueule. Et frérot. Mademoiselle. Et regarde. Pardon, j'arrête. Mademoiselle, tu vends des livres. Et tu fais le beau. T'as cru qu'on était ensemble, toi. Et vas-y. Et Anissa, il fait le beau. Il y a même Anissa dans le blanc.
Si je quoi? C'est quoi ton problème? Si je quoi, je les marie pas, pas gueule. Cette tête de vendeur de parfum. Là, à t'arrêter quand je l'ai. Qui est. J'ai danse dans une heure. Ok, je me dépêche. J'ai danse dans une heure, dépêchez-vous. Je n'ai que 4 heures devant moi. Ok, je parle. Qu'il aille reluquer une autre nana, quoi. C'est pas ça que je devais dire. Mais c'était pas mal. Oui, tu lui as dit qu'il se chatte à l'eau. Je lui ai dit que... Pourquoi elle a dit ça? C'est bien des chattes. C'est un râteau et comme ça, il ira reluquer d'autres nanas et je serai content. Et je serai content. On dirait Cloud Atlas, Tom Hanks, Zarvé de la Savance. Tu sais que je suis. Hé, drac au feu, attaque éclair. C'était quoi ça, putain? C'est attaque lance-flamme. Non mais t'es sérieux là? C'est... Putain. Non mais. Cut. Essaye de le remettre à sa place verbalement en fait. Le chute, mon point faible. Non mais t'es sérieux quoi? Tu vas attendre 2 semaines pour regarder en VF? Ouais, je préfère. Ouais, bah t'as pas d'âme. Tu fumes là? Tu fumes? Ouais, enfin, si c'est qu'un détail, il a le droit de les zapper, non? Ok. Putain, comment elle me taille la gueule! Ouais. Tu sais pourquoi il a pas de Mexicain aux Jeux Olympiques? Arrêtez, parce que là on est parti pour une demi-heure. Si, sí, además en espagnol tienes muchos acentos diferentes. Non. Ah. Tout à fait, oui. Oui, et en plus, en espagnol, on a plusieurs accents différents. Si, muchacho. C'est surtout que j'essaye de faire du gros castillan, ce qui est chiant. C'est à côté moi j'aurais un accent dégueulasse, tu vois. Pas la différence. Yes. Yes, it is. Yes, it is. Ah bah, quitte à... De longueur, cup of tea, s'il vous plaît. Et des masses en espagnol, tienes mucho sed. A ta terre. Il y a que qui font les têtes. Ah ouais, ça c'est le castillon, ça. Ouais, c'est les castillons pour faire ça. Hein? Ok, un petit problème de coordination, mais sinon le geste est plus bien. Mais parce qu'il fait encore l'autiste. Oh, arrêtez. C'est quoi cette merde? C'est le Brexit. Il a balancé ça au bateau, mais juste avant, l'enfoiré. Bon. Тем более очень трудная работа. Надо быть в коже актера в литературном смысле слова. C'est l'heure du thé, les bâtards. Je l'ai eu. Alors. Et on y va. Ça fera un plan pour l'amorce, mais oui, tu voyais pas la réplique? De quoi? C'est la réplique. La réplique. Ah, pardon. Voilà. Tu vas te barrer en courant en appelant ta mère, donc il faut vraiment que... Aie peur. Aie peur. Ok. Je comprends plus ce que vous dites. Pourquoi vous parlez plus en français, là? Tu vois, regardez, c'est moi, un peu... Qu'est-ce que c'est que cette bénisse de... Je comprends plus ce que vous dites. Pourquoi? Oh, mais une scène. Ah, mais il est chiant, là. Mais c'est lui qui me pousse. Non. Action. Non mais Tu l'as largué là. Arthur. Personne ne l'a suivi. Arthur, c'est quoi cette bande de braque, cette merde que tu m'as foutu? Je suis navré. Qu'est-ce que t'as pensé du tournage? C'était rigolo. Je vais changer de métier. Je vais me casser la gueule, c'est la faute de ta faute. Cet été pendant 2 mois. C'est la faute de Bastien si je me casse un bras. Ah oui, oh là là. Wow. Ok. C'est fini, ça y est, ça va? Tu me fais l'encours! Promis. Ah non, mais surtout que j'ai fait mon exercice d'anglais, c'est pour ça que je vais tout prêt à aller en anglais. Non, j'ai pas glandé sur ce coup-là. Yeah, press that subscribe button!